Bonjour à tous, chers lecteurs, chères lectrices, chers auditeurs et auditrices. Je vous souhaite la bienvenue sur cette émission qui commence à avoir de nombreuses écoutes, de nombreux abonnés. Alors déjà, je tiens à vous remercier parce que ça me fait toujours plaisir de partager mes lectures et j'envisage d'ouvrir un café littéraire. Alors évidemment, sur place, pour ceux qui sont en Ardèche, enfin, en Haute-Ardèche et tous les départements limitrophes. Donc je vais vous renvoyer sur le blog Les Crins du Barde pour que vous puissiez vous abonner. Mais aussi en ligne, c'est vrai que on a parfois du mal à se regrouper. Alors en ville, dans les grandes villes, non. Mais il se trouve que je vis vraiment dans un village, alors avec une je crois que c'est la plus grande commune d'Ardèche. Par contre, nous sommes 900 répartis dans des hameaux et c'est vrai que se réunir. Hier, par exemple, il y avait des ateliers sur les tout premiers Mickey, parce que maintenant, ils sont libres de droit. C'était super sympa. Mais en fait, s'il n'y a pas de diffusion aussi via le web, c'est parfois compliqué de réunir ceux qui ont envie d'y participer par la distance, par l'augmentation du prix de l'essence. Il y a des fois une absence de transport. Et on a décidé d'ouvrir ce café littéraire culturel. Parce que j'ai commencé à participer aussi à des cafés philo et j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est le fait de rencontrer d'autres personnes, de pouvoir échanger sur quelque chose qui nous plaît, sur une passion. Et comme je vois cette émission littéraire qui visiblement vous intéresse beaucoup, eh ben ce serait vraiment super passionnant que vous puissiez échanger avec moi, que je ne fasse pas un monologue sur un bouquin que j'ai lu, qu'on puisse profiter d'avoir des lectures communes, même si c'est qu'un début de lecture, pour voir si on a envie de lire la suite ou pas. Et c'est vrai que ça m'a donné l'envie de créer autant un tiers-lieu d'ailleurs qu'une émission littéraire. Alors je vais m'équiper, parce que pour l'instant je suis un peu un dinosaure du numérique, mais notez-le sur vos tablettes. C'est vrai que si vous avez vraiment envie de venir rencontrer des personnes qui aiment la lecture, qui aiment des thématiques comme ça, qui vous touchent, c'est vraiment sympa de recréer un lien social. Je trouve aussi qu'on est quand même... J'ai l'impression qu'on est de plus en plus isolé dans notre coin. Les événements de ce siècle font que l'individualisme prédomine quand même. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage parce que... je vais vous en parler du livre que j'ai lu. Mais ça fait partie, en fin de compte, le lien social fait partie de la lecture parce que ça permet d'échanger. Moi, je chronique pour des auteurs le plus souvent indépendants, donc qui ont besoin de faire connaître leur livre. Et j'essaye d'entretenir avec eux un lien, même s'il est virtuel, parce qu'on n'est pas du tout dans la même région. Ben, ça reste un lien et c'est toujours agréable d'échanger sur ce genre de sujet. Donc, je ne m'éloigne pas de la thématique de ce podcast. Et c'est vrai qu'hier, si vous suivez aussi mon autre émission, j'aime beaucoup les loisirs créatifs. Notamment, j'ai un bullet journal, c'est mon truc. J'aime bien dessiner, j'aime bien programmer, j'aime bien avoir toujours... j'aime bien avoir un planning, j'aime bien que les choses soient réglées, malgré que... vu la météo, ben, quand il fait soleil, j'en profite, je sors. Donc, je vais toujours reporter sur le lendemain, sur une journée de pluie. Mais hier, on était réunis autour d'une dégustation de café du monde, donc, autour des loisirs créatifs, autour... j'ai essayé de me bricoler un truc pour mettre sur mon téléphone, plutôt
que faire un achat. Ouais, c'est plus sympa de le faire soi-même. Et en fait, on a passé une super journée. Voilà, on n'était pas vraiment nombreux. Donc, il y avait les premiers dessins animés de Mickey. C'est marrant parce que c'est l'époque où c'était dessiné à la main. Bon, alors personne n'a réussi à dessiner Mickey, hein, je vous le dis. Mais c'est vraiment des occasions de rencontres, de discussions sur des sujets qui sont variés et que je développerais pas forcément si je raisonnais toujours à l'intérieur de moi-même. Et donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter un livre que j'ai lu, pas toute seule, hein, il y en a d'autres, mais avec qui je suis pas forcément en contact. Et c'est dommage parce qu'hier, j'aurais bien aimé présenter ce bouquin, donc autour de la dégustation de café, autour. Alors, si vous êtes en Ardèche, si vous avez accès à la ville d'Annonay, sachez que samedi prochain, à partir de 9h30, c'est un magasin qui s'appelle L'Art des Choix, donc l'art ART des Choix, parce que c'est une boutique de loisirs créatifs, mais il y a aussi un café associatif, et ce café associatif organise une dégustation de café du monde. Donc c'est à partir de 9h30, moi j'y serai parce que je me suis beaucoup entraînée. Le café, il est torréfié sur place, donc à Annonay, par Maë, qui s'est prise de passion. Donc on va découvrir les arômes, les saveurs, beaucoup de choses sur le café. Moi, je suis pas du tout fan de vin. Du coup, c'est vrai que je fais pas beaucoup de dégustations de ce côté-là. Mais le café, j'aime quand il est bon. Bon, si c'est du café classique, j'aime pas ça, je préfère le thé. Mais j'adore ce principe d'échange. Et j'amènerai des livres. Donc, si vous avez l'occasion de nous rejoindre, ben, n'hésitez pas. C'est à partir de 9h, c'est sur le quai de Merle à Annonay, c'est le long de la Canse, c'est dans le quartier de la Canse. Donc ça, c'était pour les dernières news. Parce que bon, j'ai pas envie de juste vous balancer ma dernière lecture comme ça. Le fait de renouer de liens, de renouer des échanges, c'est vrai que ça me donne envie d'avoir une réaction de l'autre côté, quelque chose qui se noue, quelque chose qui se crée, ou peut-être qui se recrée. Parce que je pense que ça me manque et que c'est pas que moi qui aujourd'hui me sens seule avec mon bouquin. Et aujourd'hui, en plus, je vais vous parler d'un coup de cœur. C'est pour ça que ça me met en joie. Parce que c'est un préquel. Il est écrit par Philippe Rimoreau. J'avais lu, et j'en avais parlé d'ailleurs, de La Perle des Confins. Et ce livre, il avait vraiment mais touché mon cœur, et pas que mon cœur, mon âme, tout ce que vous voulez. Parce que, alors je ne savais pas si c'était vraiment l'histoire, le contexte ou la façon d'écrire de l'auteur. En découvrant La Sœur égarée ou Le Râle du Monde, qui est donc le préquel où on va découvrir ce qui se passe avant La Perle des Confins et comment on en est arrivé là. En plus, ça s'emboîte magnifiquement bien. Je découvre qu'au final, c'est la plume de cet auteur. Je crois qu'il pourrait écrire n'importe quoi, il m'embarquerait. Et ça, c'est pas vrai pour tout. Il y a des livres que j'aime. Bon ben, il y en a quelques-uns que j'abandonne. Ça arrive, hein. Je ne peux pas plaire à tout le monde. C'est pas forcément que ce sont des mauvais bouquins, c'est juste que ce n'est pas à mon goût. Et que c'est pas quelque chose qui m'embarque. Et là, franchement, ce titre, La Sœur égarée ou Le Râle du Monde, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Parce que le préquel, je l'attendais. Puisque quand j'ai lu La Perle des Confins, l'auteur m'en avait parlé. Donc je l'attendais. Et c'est vrai que ça plonge une nouvelle fois dans l'univers enfin, dystopique. C'est de la fiction, mais quelque part, ça reste quand même dystopique et c'est plein de rebondissements avec beaucoup d'émotions. Et donc j'ai retrouvé cette plume si particulière. Et c'est vraiment un bonheur. Alors ce livre, je l'ai dévoré. Je remercie vraiment Philippe Rimoreau pour cet envoi en plus dédicacé, donc ça me touche encore plus. Et c'est vraiment un roman que j'ai envie de faire découvrir partout autour de moi. Et d'où
ces cafés littéraires, d'où tout ce à quoi je pense. J'y pense depuis longtemps, je vous avoue, mais aujourd'hui j'ai la place de le faire. Ouais, voilà, j'ai la place de le faire, je me suis investie dans plusieurs associations, agricoles évidemment, mais culturelles aussi, et voilà, et ça fait énormément de bien. Donc je ne peux que vous conseiller de nous rejoindre. Nous sommes une petite équipe qui ne se prend pas du tout au sérieux, mais les échanges sont par contre toujours très enrichissants. Moi, je vais mon bullet journal va venir avec moi parce que hier j'ai pas noté tout de suite. Puis bon, après, je suis passée à autre chose. Alors ça m'est heureusement revenu ce matin. Donc oui, c'est vrai. La Perle des confins, c'était vraiment le roman que j'avais gardé en mémoire. Et ben, je peux vous dire que le préquel, il est inoubliable. Donc l'auteur revient sur la sœur de l'héroïne de La Perle des confins, dont elle nous parle d'ailleurs. Parce qu'elle se demande où est passée sa sœur. Alors, je ne vais pas spoiler, vous attendez pas à ça, mais on connaissait plus ou moins l'histoire des deux sœurs. Par contre, dans La Perle des confins, nous avons l'aînée. Et dans le préquel, on va retrouver Kia des années avant et sa façon à elle, au final, de rechercher sa sœur. Donc on voit que des deux côtés, il y a la thématique de l'amour, l'amour filial, et justement le lien. Ouais, on y revient. Cette histoire est assez fabuleuse. Elle se déroule sur la planète d'Emeraude. C'est toujours sous le joug de la Confédération Keltar. Cette confédération a vraiment instauré un régime très autoritaire, très répressif. Et du coup, les attentats se succèdent. Il y a une résistance qui s'organise. Non, je vais pas dévier. J'allais dire quelque chose, mais je ne vais pas dévier parce que on doit voter aujourd'hui. On parle de résistance, ça m'interpelle. Mais la résistance, là, on oublie, hein, les Européennes. La résistance s'organise face à la Confédération de Keltar. Et pourtant, cette résistance semble totalement impuissante parce que l'occupant est tout puissant. En fait, il est très développé technologiquement et il a une façon de faire, je dirais, où l'éthique, ça doit être un mot qui a disparu du dictionnaire. Mais n'empêche qu'au cœur de ce chaos-là, j'ai fait la rencontre de Kia et c'est une jeune femme au début du bouquin. Cette jeune femme, elle est marquée par la perte de sa famille. L'arrivée de cette confédération sur sa planète, c'était une planète qui était quand même restée très éloignée enfin, ouais, libertaire. Et malheureusement, Kia a connu vraiment un drame familial. Elle a été abandonnée à son destin et au début du roman, elle sombre dans vraiment une vie de débauche, de désespoir. Et puis, une rencontre inattendue va venir bouleverser sa vie. Et c'est vraiment très inattendu. Cette rencontre, c'est la rencontre avec l'amour. Donc un amour décent entre Kia et un étranger, aussi étrange que ça puisse paraître, qui vient de Keltar. Et cet amour est vraiment au début au cœur de l'intrigue. Même si leur bonheur est éphémère, hein, parce que mais j'ai beaucoup aimé cette thématique où en fait Kia, elle a tout en elle pour détester la Confédération de Keltar, pour détester les habitants qui viennent sur sa planète et qui s'installent à leur façon. Je vous laisse découvrir comment. Mais malgré tout, elle rencontre cette personne
qui la respecte immédiatement, qui lui montre quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Et effectivement, l'amour s'installe. Bon, alors malheureusement, alors c'est une romance dans un certain sens, mais ce n'est pas qu'une romance. Parce que les fantômes du passé vont ressurgir, et ça met en péril l'équilibre fragile de ce couple, reste quand même malgré tout surveillé par la Confédération, étant donné l'implication de sa famille qu'elle a perdue, mais n'empêche que il y a un élément qui va faire basculer l'histoire et Kia va devoir aller chercher des réponses loin de sa planète natale, elle qui n'avait jamais voyagé. Elle prend une décision douloureuse d'ailleurs, et quelque part elle va entraîner avec elle des destins croisés, des révélations qu'on attendait mais qui étaient vraiment insoupçonnées, parce qu'il y a beaucoup de questions dans la perle des confins, et c'est vrai que ce préquel apporte des réponses. J'ai vraiment trouvé que Philippe Rimoreau est toujours aussi talentueux. Moi, il m'a offert un récit qui est captivant, qui est haletant. Enfin, oui, c'est haletant parce que c'est porté par une plume qui est fluide, qui est immersive. Le suspense, en plus, il est palpable. Et les personnages sont assez complexes, mais sont très attachants. Et pour moi, en tout cas, l'univers dystopique est vraiment superbement dépeint. Donc, La sœur égarée ou Le râle du monde, ça a été pour moi un véritable page-turner. Ça m'a entraîné au cœur d'une quête effrénée qui allie l'amour, la trahison et la lutte pour la liberté. Donc, il y a plusieurs thématiques. Et c'est assez fabuleux. Le préquel est sorti le 3 avril 2024, donc c'est tout récent. Et il y a 213 pages sur le format broché, qui est un assez grand format. Je vous laisse le découvrir. Si vous allez sur le site Amazon, vous pouvez toujours lire les premières lignes et ainsi vous faire une idée de. J'ai pas vérifié là, mais en général. Comme il y a la version Kindle, vous avez toujours la possibilité de lire les premières lignes. Moi, je trouve ça super bien. Et vous pouvez comme ça vous faire une idée, parce que le bouquin, il va vous embarquer ou pas, quoi. J'aime beaucoup cette possibilité. Alors, en tout cas, j'en ai parlé des thèmes de l'amour et de la résistance, qui vont pas toujours ensemble, surtout ce que je vous ai raconté au début. Mais dans ce roman, ces thèmes-là se côtoient et même ils s'entremêlent tout au long de l'histoire. C'est assez fabuleux et ça donne une profondeur et une intensité vraiment particulière à cette intrigue. Moi, je suis conquise. Je vais pas forcément dire du mal. Et dès le début du récit, j'ai été plongée dans l'univers où la résistance s'organise face à l'oppression de cette fameuse confédération de Keltar. Il y a des attentats qui se succèdent, il y a des luttes politiques, mais malgré tout, certains personnages font le choix de se battre pour leur liberté, leurs idéaux. Qui reste un personnage principal, elle est elle-même issue de cette famille de résistants. Elle a perdu sa famille dans la lutte contre l'occupant, ce qui explique son état d'ailleurs au début du roman, mais elle va se mettre à risquer sa vie inconsciemment pour un idéal vraiment beaucoup plus grand que sa propre survie, parce que il y a vraiment une quête, ce personnage devient vraiment attachant. Elle m'a embarqué dans cette quête, celle de retrouver Elika, sa sœur, et elle quitte donc sa planète Tenova pour rejoindre la planète d'Esdera. Alors, vous allez voir,
La Confédération a installé des petites choses. Tout le monde n'est pas pour. Et donc, dans cette aventure, en parallèle, l'amour s'est invité dans l'histoire. Et de manière vraiment inattendue. Parce que ça met en lumière la fragilité des liens humains dans un contexte de conflit, de violence. Et la relation entre Kia et Elric donc qui vient de la... Elric fait partie des occupants, hein, en fait. Cette relation, elle est douce, elle est fragile. Bon, Elric est aussi un personnage très... C'est un personnage attachant, son amour est très sincère et je vous laisse découvrir. N'empêche que c'est à la fois doux, tragique. Ça va confronter les protagonistes à des choix qui sont déchirants et à des dilemmes de moraux. C'est vrai que tout ne va pas toujours. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et leur amour est mis à très rude épreuve par les événements qui les entourent. Ça les pousse à naviguer entre passion et raison, la raison notamment pour Kia, et puis entre le devoir et le désir, et le devoir pour Elric, évidemment. Et je vous laisse découvrir cette histoire d'amour qui m'a énormément touchée. Comme quoi, la résistance et l'amour peuvent se rejoindre. Et se rejoignent dans ce roman, en tout cas, pour former un duo explosif. Ils symbolisent la force de l'engagement, la capacité de l'humain à se relever face à tout ce qui peut arriver. Et les personnages se battent non seulement pour leur liberté politique, mais aussi pour l'amour qui les lie et qui les rend beaucoup plus forts. Ces personnages-là incarnent une lutte incessante entre la volonté de survivre et celle de vivre pleinement, ben, malgré les épreuves et les obstacles. Et c'est pas forcément facile. Je vous invite vraiment à le découvrir. Alors par contre, il y a une question qu'on pourrait me poser à laquelle je ne saurais pas répondre, par lequel moi j'ai lu d'abord La Perle des Confins. Oui, non, mais si. Si, en fin de compte, c'est dans l'ordre d'écriture. Évidemment, si en lisant d'abord La Sœur égarée, vous allez avoir les réponses au deuxième. Je suis pas sûre que la lecture soit si impressionnante. Donc, respectez la trame de l'écriture de l'auteur. À mon avis. Après, il y en a qui aiment bien commencer par le début. Et n'empêche que c'est vrai que certains livres ont le pouvoir de me captiver, hein, au point que j'ai beaucoup de mal à les refermer. Et surtout, tourner la dernière page et dire au revoir au personnage et à l'univers qui m'a vraiment fasciné. La Sœur égarée de Philippe Rimoro en fait partie. C'est son intrigue, ses personnages, son univers. Et franchement, c'est riche en émotions. Ça nous rappelle qu'on est humain et qu'on a besoin de liens. La plume de l'auteur, je l'ai dit et je vais le redire, elle est tellement immersive, tellement captivante qu'elle m'a vraiment embarquée bien loin de ma réalité. J'en avais besoin. Ça fait toujours du bien ce genre de roman parce que j'ai été plongée dedans et les rebondissements sont tellement inattendus. Il y a des dilemmes de moraux, il y a des relations humaines qui sont intenses et tout contribue à maintenir le lecteur en haleine, à le pousser à tourner toujours plus de pages, avide de savoir comment l'histoire va se dénouer. C'est assez incroyable, assez impressionnant. Moi, j'ai ma petite bibliothèque sur Babelio et donc j'ai mes dates de lecture. Et je suis toujours impressionnée de voir que certains bouquins, je les dévore en 48 heures, alors que je lis le matin, le soir, hein, je lis pas toute la journée. Et celui-là, il n'a pas fait long feu. Alors, pour les personnages, il y a Kia, il y a son amant,
Il y a des destins croisés avec d'autres protagonistes. Et il y a bien sûr cette lutte pour la liberté qui a séparé deux sœurs. Et bien sûr la quête de vérité. Et tous ces éléments se tissent, enfin, tous ces éléments tissent une trame narrative qui est complexe, mais n'empêche qui est très addictive. Qui m'a vraiment pas laissée indifférente. Je me suis prise d'affection pour certains. J'ai ressenti beaucoup de révolte face à l'oppression, de l'empathie pour les êtres en souffrance et l'espoir malgré les difficultés. Et j'en parlais au début de cette émission. C'est vrai que les romans comme ça qui ont le don de bouleverser les émotions, de nous replonger dans notre propre humanité, dans notre propre sentiment, c'est vraiment formidable. Et c'est vraiment pas quelque chose qui doit rester dans la solitude, quoi. C'est donc mon avis. J'ai refermé ce livre avec un déchirement. C'était un adieu à ce monde de fiction, mais qui était devenu vraiment réel à mes yeux. Et de mon point de vue, c'est la marque d'un bon livre. C'est celui qui laisse une empreinte vraiment durable dans l'esprit et dans le cœur. Et c'est ce qui m'a transporté, ce qui m'a transcendé, c'est ce qui m'a fait vibrer, ce qui m'a fait réfléchir assez longtemps après l'avoir terminé, parce que j'enregistre aujourd'hui et j'ai lu un roman derrière et je suis à la moitié d'un autre. Donc, mais ce roman-là reste vraiment dans un petit coin de ma tête. Et même si refermer ce bouquin est difficile, rappelez-vous quand même que son empreinte restera avec vous. Et que peut-être un jour vous aurez envie de le rouvrir, et pourquoi pas de replonger dans son univers en envoûtant. En tout cas, moi j'ai cette envie. C'est quelque part, je pense, le livre qui fait du bien. Et j'aurai l'occasion de le rouvrir. Il y a certaines questions que j'ai encore et qui m'ont peut-être échappé parce que j'ai lu. Je l'ai pas lu, je l'ai dévoré. Voilà. Alors si je devais conclure, ben, je dirais que ce livre nous offre, ben, en tout cas à moi, un tableau vraiment très complexe, nuancé des relations humaines dans un contexte de crise et de révolte. Et la résistance, l'amour se complètent, se confrontent aussi. Et donne naissance à des personnages qui sont vibrants, à une histoire qui est captivante et qui continue à résonner en moi, donc assez longtemps avoir retourné la dernière page. Donc en bref, je ne peux dire qu'une chose, c'est que ce roman, c'est un bijou de la littérature, de science-fiction. C'est vraiment à ne pas manquer pour les amateurs du genre et c'est une lecture qui est addictive, qui est envoûtante. Et qui nous transporte aux confins de l'univers pour un voyage. Oui, on voyage en plus. Donc pour un voyage qui est riche en émotions et en réflexions. J'ai pris une photo pour vous mettre un extrait que vous aurez sur l'article, enfin sur la chronique du blog qui sort. Elle sort toujours le lundi matin. Parce que je n'ai pas voulu recopier et j'ai pris une page que je trouvais parlante et elle sert d'extrait. Voilà. Donc je vous souhaite en tout cas une bonne lecture. J'espère que je vous ai donné envie d'ouvrir ce roman. Et ce serait vraiment très chouette que vous ayez que vous fassiez un retour. Sur les cafés littéraires, sur les groupes de lecture ou ce genre de choses, la façon dont vous voyez ça au niveau des rencontres, au niveau des discussions qui peuvent en découler, parce qu'évidemment, on ne ressortira pas les choses. Chaque lecteur, je crois, non, j'en suis sûre, chaque lecteur va retenir de sa lecture ce qui résonne en lui, et c'est ça qui est intéressant dans les rapports humains.
Alors, ben voilà, je vous laisse sur ce sujet de réflexion. Je vous souhaite une très bonne semaine et moi je vous dis à la prochaine.